Thank you.
Hold on, yeah, let's go to the boot.
film. Merci. Merci. Notre régional de l'État, M. Le Caillé, vice-président, a évoqué votre belle ville de Gravelines. Merci. Pour être honnête, nous étions désemparés car le monde de la moto dans notre société aujourd'hui n'est plus tendance. Nous avons été accueillis de la plus belle des façons, bienveillance et force de proposition. Je vous avoue que depuis notre choix de faire ce 43e rassemblement de Colwyn à Dunkerque, ville d'accueil, nous avons dû faire face à de très nombreux vents contraires. Nous avons été vos hôtes aujourd'hui et nous vous en sommes très reconnaissants. Un grand merci aux femmes et hommes de votre police municipale qui nous ont permis d'être un triomphe pour la ville de Gravelines qui nous accueille dans les meilleures conditions. Alors surtout, n'hésitez pas à applaudir. Il y a un client qui est de la police municipale que nous avons malheureusement trop vu à Dunkerque, qui n'était pas là pour le Win Club de France. Je vous remets ce petit cadeau qui sera un signe de notre passage, ainsi que, si mon épouse ne casse pas tout, une petite suite. Merci surtout. Et j'espère à très bientôt. Merci Monsieur le Président. Eh bien, mesdames, messieurs, c'est avec un grand plaisir qu'on vous accueille sur notre belle ville de Gravelines. Vous avez pu remarquer les infrastructures dont nous bénéficions. Et on aime le mettre au service des gens qui découvrent Gravelines, parce que c'est une belle ville, c'est une ville qui a été fortifiée par Vauban, qui est toujours en eau, les fortifications sont en eau, on peut faire le tour des fortifications en barque. Et c'est vrai que, comme le disait votre président et le président Hoffmann tout à l'heure, il fait toujours beau, Gravelines. Je ne sais pas comment ça se fait, mais on a toujours du beau temps, on a toujours du soleil. Donc voilà, je tenais aussi à remercier l'équipe de la Fédération du Nord qui a choisi Gravelines, qui nous a sollicité. Remercier, excusez, monsieur le maire Bertrand Ringot, qui n'a pu être présent. Il a pris quelques jours de congé, il était un peu fatigué, c'est mérité. Et au titre de son mandat de conseiller départemental, il a tenu aussi à vous offrir le vin d'honneur qui vous sera servi tout à l'heure. Donc je pense qu'on peut aussi l'applaudir, notre maire, conseiller départemental. Et puis bien sûr, il y a l'équipe de l'ombre. Alors je vais appeler Dominique Derck, le président de l'association Team Loisirs, qui, avec son équipe, une vingtaine de personnes, travaille depuis deux jours pour organiser la restauration, les buvettes. Et c'est vraiment un travail, je dirais, assez conséquent. Donc je sais qu'il n'aime pas prendre la parole, je ne vais pas lui donner le micro, mais je vous demande de l'applaudir, Dominique, viens à mes côtés. Vous pouvez féliciter toute son équipe de bénévoles. Et ils font ça pour se mettre un peu d'argent dans les caisses. Donc n'hésitez pas à consommer et à manger, c'est toujours une bonne organisation. Et bravo à toute ton équipe, Dominique, et merci de ton soutien. Merci. Donc voilà, donc passez un agréable séjour dans notre ville. Alors je sais pas s'il y en a qui restent sur place, s'il y en a qui vont aller manger en ville, mais vous verrez, on a quand même plusieurs atouts, on a une super belle plage, on est connu par la centrale nucléaire, on est aussi connu par le basket, avec le basket club maritime, donc on est vraiment une ville attrayante, donc j'espère vous revoir dans les rues de Gravelines. Merci à vous en tout cas. Et puis, pour garder un souvenir de notre ville, Monsieur le Président, j'ai le plaisir de vous offrir ce petit livre, qui apporte quelques belles images de Gravelines fortifiées, et puis vous aurez le loisir de feuilleter ça au coin de la cheminée cet hiver. J'en ai un pour M. Hoffmann, il est juste derrière moi, et puis le vice-président, M. Gaillard. Voilà. Merci beaucoup. Et bravo et bon séjour à vous.